Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage du jour. Donc, on va regarder ce que les cartes ont à dire, les messages qu'elles ont à nous transmettre. Donc, prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Les messages peuvent être très particuliers. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, surtout, vous laissez passer. Voilà, ça c'est très très important. Allez, je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. On va voir quel est le thème de ce jour. Quel est le thème de ce jour? Alors, on a cette carte inversée qui parle de l'impossible, changer ses croyances, bond en avant, imaginatif, nouvelle perspective. Elle était inversée, cette carte. La notion là de rester dans des croyances, justement. Là, on vous parle de changer ses croyances. Moi, j'ai plus la notion de rester dans ses croyances, d'avoir du mal à envisager une autre possibilité, d'autres perspectives. Le fait de ne pas réussir à visualiser autre chose que la réalité, les faits, le concret, ce qui existe. Du mal à faire ce bond en avant imaginatif, du mal à se projeter dans un avenir qui serait plus joyeux, plus lumineux, plus créatif. Y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être le fait de s'accrocher à des croyances, à du matériel, à quelque chose de très très concret et peut-être la notion de se couper d'un rêve que vous pourriez avoir, de vouloir absolument rester dans quelque chose qui vous rassure parce que c'est tangible, ça peut se toucher et donc de ne pas vous autoriser à rêver et à voir que des choses pourraient se passer complètement différemment. Et ça, c'est très ancré et c'est très basé sur des croyances assez fortes qui sont difficiles pour vous à remettre en cause. Voilà, du fait de bah, peut-être d'un passé, du fait d'expérience, du fait d'éducation, du fait de peur que vous pouvez avoir, du fait de plein de choses qui vous empêchent de vous autoriser le rêve. Le rêve est la vision différente d'une situation. Voilà, peut-être, voilà, il y a une notion de se rassurer dans quelque chose qui existe, que vous connaissez, que vous maîtrisez, et la sensation d'une peur à vous autoriser à envisager autrement les choses, et surtout à rêver, à imaginer qu'elles puissent être différentes et beaucoup plus belles, beaucoup plus joyeuses. Alors, on va regarder, je vais prendre un message de l'oracle des accords Toltec. Alors, je fais un tirage de trois oracles, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde cet autre message. On a manifesté votre propre divinité qui était donc inversée. On retrouve là cette difficulté à revenir à ce qui vous est propre. On voit ici un personnage qui est connecté à vraiment ce qui lui fait vibrer, ce qu'il aime, ce qui est le plus important pour lui. Et il y a une difficulté à se connecter à son propre cœur, à ses propres désirs, à ses propres rêves. Et surtout à les exprimer et à les laisser vivre. Il y a vraiment une difficulté à être dans la manifestation, dans le fait de projeter des rêves, de projeter quelque chose qui est très, très, très important pour vous. L'idée que ça reste, que c'est quelque chose que vous gardez pour vous, qui reste enfermé. Ce qui fait vibrer, ce qui fait rêver, ces cœurs qui sont dessinés, c'est vraiment ce que vous souhaitez le plus au monde. Il y a cette notion de vous empêcher, on avait deux cartes inversées, hein, de vous empêcher de le manifester
Alors, ça peut être lié à des peurs, ça peut être lié à des croyances, des fausses croyances. Il y a une notion d'auto-sabotage là-dedans et surtout de protection forte de ce qui vous tient le plus à cœur, mais pour protéger justement ce cœur, pour protéger les rêves, pour vous protéger d'être peut-être déçu par rapport à ce qui pourrait se passer, d'éviter de rêver à ce que vous avez envie de créer dans votre vie, de manifester, parce que derrière, y a la peur d'être blessé, il y a la peur d'être déçu, il y a la peur d'avoir cru en des choses trop élevées, trop belles. Et ça renvoie à des expériences peut-être déjà vécues par rapport à ça. Le message, c'est la maîtrise. Il y a ce besoin de garder la maîtrise. Il y a vraiment cette sensation de vouloir garder la maîtrise sur ce qui se passe, sur la vie que vous voulez avoir, sur ce qui se déroule dans votre vie. Il y a vraiment une notion de ne pas de ne absolument refuser le lâcher prise. Voilà, vous voulez être dans la maîtrise totale de ce qui se passe, donc pas de projection, pas d'imagination, pas de nouvelles perspectives à envisager qui ne soient pas dans le concret, dans le tangible, dans ce que vous avez déjà. Vraiment le besoin de maîtriser complètement ce qui se passe et de maîtriser ce qui va arriver. Le besoin de vous sentir dans la maîtrise de ce qui va arriver. Et donc de ne pas projeter des choses sur lesquelles vous n'aurez pas de prise. C'est un petit peu difficile. Et on vous dit au fourneau. Au fourneau, c'est l'idée de maintenant il faut y aller, c'est une notion d'action, c'est une notion de se lancer dans quelque chose, de se mettre au travail. Il y a aussi la notion d'être très très occupé quand on est au fourneau, on est occupé, on est très dans l'action, dans le faire. Donc il y a réellement sur ces énergies-là le fait de s'attacher à vouloir garder absolument la maîtrise sur ce qui se passe, sur vos objectifs, vos objectifs, sur vos actions, en étant vraiment dans le faire. Quand on est au fourneau, on fait, on agit, on est dans l'action. Et donc, il y a cette sensation d'être dans cette maîtrise et dans ce faire absolument et cette énergie de faire, cette quantité aussi. C'est l'idée d'être au travail, au travail, au travail pour justement ne pas s'autoriser le rêve, ne pas s'autoriser à se connecter avec ce qu'on a, ce qui nous ferait réellement vibrer, ne pas se connecter à des choses qui pourraient vous amener un petit peu de légèreté, un petit peu de joie. On va ne pas vous connecter non plus à cette notion que peut-être il y a des choses qui pourraient se transformer. On a des papillons par ici. Et il y a cette sensation que pour rester dans la maîtrise de ce qui se passe autour de vous, vous devez être au fourneau, c'est-à-dire que vous devez être dans l'action, presque l'action à outrance. Donc c'est une forme c'est une forme de protection. Vous êtes dans ce faire, dans cette sensation, dans cette action continue et intense pour vous éviter. Pour éviter à votre esprit ben un petit peu de vagabonder et de rêver à ce qui pourrait être un peu plus magique, un peu plus joyeux, un peu plus vibrant. Il y a un petit peu de ça. On va regarder, on va prendre un message dans les portes de l'univers. Je vais prendre un message en posant l'intention de voir quel conseil on peut. Quel conseil on peut vous donner? Quel conseil pour ce jour, pour cette énergie? Il y a réellement une difficulté à vous accorder du temps pour envisager un avenir qui soit différent.
Et la notion de croyance, c'est la notion d'expériences passées qui ont pu être douloureuses, c'est la notion de s'appuyer sur des choses, des acquis qui vous garantissent comme une sécurité intérieure. Mais il y a une notion ici dans manifester votre propre divinité, c'est que il y a là cette notion de passer à côté de la personne que vous êtes réellement, c'est-à-dire la personne qui est connectée à ses sentiments, ses émotions, à ce qui la fait vibrer. Et il y a cette sensation de mettre absolument une barrière à tout ça. Et la seule solution que vous trouvez, c'est d'être dans le travail, dans l'action, dans le concret, dans le matériel, dans le financier, dans tout ce que vous pouvez toucher de concret, et de rester dans la maîtrise de ce qui se passe autour de vous. Il y a ce besoin de maîtriser absolument à la fois vous et à la fois votre environnement. Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner? Quel conseil on peut vous donner? Mais il y a la notion quand même de quelque chose que vous savez qui est au fond de vous. Vous avez fermé tout ça, il y a la notion d'avoir fermé, clôturé, mis en cage un petit peu tout ça, mais vous savez que c'est au fond de vous et cette sensation que c'est comme, moi je ressens, c'est comme si ça pousse. C'est comme si ça demandait à sortir de l'intérieur et que au plus vous ressentez que vous auriez ce besoin peut-être de vous projeter dans une autre voie ou dans une autre vision de ce que vous pouvez vivre, y a cette sensation-là que au plus ça essaie de se manifester en vous, ça essaie de sortir, ça essaie de s'exprimer, au plus vous essayez de le maîtriser et de dominer ça par une intensité dans l'action, dans le faire, dans l'agir. Alors au niveau du conseil, on vous dit un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. La création, on voit ici un cœur hein, dessiné, donc il y a vraiment cette notion de revenir au cœur, à ce qui vous fait vibrer vraiment, à ce qui vous ferait voir peut-être votre vie d'une façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieuse. Et on vous dit lâcher les lourdeurs de la vie. Il y a cette notion-là d'un moment de lâcher prise, de lâcher la maîtrise, de revenir à du lâcher prise justement, de lâcher l'intensité de l'action que vous faites pour vous connecter au réservoir de la pure création, la créativité, c'est l'imagination, c'est le rêve, c'est pouvoir manifester ce qui est de l'ordre de votre, on vous dit, votre propre divinité, ce qui est de l'ordre du plus beau qui est en vous. Donc il y a vraiment le conseil de lâcher les lourdeurs, c'est accepter aussi accepter cette connexion, accepter de retrouver désolé, accepter de revenir à de la créativité, à de l'imagination. On vous parle de bond en avant imaginatif, et quand on parle de bond en avant, c'est ça qui va vous faire avancer sur le bon chemin, sur votre bon chemin. Donc il y a cette notion de lâcher les lourdeurs, parce que ça devient lourd d'être dans la maîtrise, d'être dans le faire pour se couper de tout ce côté émotionnel et créatif. Je pense que ça commence à être lourd pour vous. Je pense que c'est quelque chose que vous devez commencer à ressentir. Un autre conseil, s'il vous plaît. Quel est l'autre conseil qu'on peut vous donner? Avec la sagesse d'Akasha, quel est l'autre conseil? Il y en a deux. Je les prends. On vous dit, la vie est mouvement. Bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas figé sur vos positions. Voilà, on vous disait la difficulté de changer vos croyances. Donc, ne restez pas figé sur vos positions.
Et rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure, un vent de liberté. Celle-ci est avant tout une posture. Donc la liberté intérieure, c'est une posture. Il y a de l'ordre de ça. On vous dit la vie est mouvement. Il y a cette notion de mettre quelque chose en mouvement en vous, de changer vos croyances, de modifier, de ne pas rester figé sur vos positions, et que cette posture, elle demande à être changée. On vous parle de liberté intérieure. Il y a quelque chose en vous qui commence à vraiment, vraiment, vraiment se manifester, essayer de s'exprimer. Et je pense que malgré tout ce que vous allez mettre en place, vous allez sentir que cette posture que vous tenez va être de plus en plus difficile à tenir, justement, sur la durée. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'agiter fortement à l'intérieur de vous. C'est juste ma petite chatoune qui me fait le bazar. Il y a quelque chose qui est en train de s'agiter fortement à l'intérieur de vous. Et ce que je ressentais là, c'est vraiment que c'est quelque chose contre quoi vous n'allez plus pouvoir lutter pendant très longtemps. Et c'est pas... C'est très coûteux en énergie pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui est en mouvement. La vie, on vous dit la vie est mouvement. Donc ce mouvement, il est en cours. Et malgré le fait que vous vouliez rester dans la voie que vous avez décidée, ce qui relève réellement de votre propre divinité, de votre être intérieur, de votre liberté intérieure, c'est en train de s'agiter fortement à l'intérieur de vous et d'essayer de sortir. Donc voilà, donc peut-être c'est un message qui vous permettra de prendre conscience de ce que vous mettez en place et de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.